Bon, et ben salut à toutes et à tous, c'est Divens, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la suite de Resident Evil. Oui, il n'y a pas eu d'épisode vendredi, oui, il n'y a pas eu d'épisode samedi. Grosse horaire au boulot et résultat, voilà, petit problème. Donc du coup, après avoir tué le père Baker, on est retourné dans la petite maison, enfin dans la petite salle de sauvegarde, pardon. On va récupérer les pièces antiques parce que j'ai entendu parler que ça nous serait utile tout de suite après. Voilà. Par la même occasion, on va récupérer le combustible aussi parce que. Hop, on s'est renseigné un peu. Donc, oui, quand on est revenu de par ici, on a croisé la grand-mère Baker qui est ici. Et donc, du coup. Voilà. Et donc, du coup, maintenant on peut se promener comme on veut dans la maison puisque Jax. Jax, n'importe quoi. Jack. Est mort. Donc, on va aller voir quelque chose. Il me semble que j'ai oublié quelque chose à l'étage. C'est un pote à moi qui m'en a parlé de ça, donc on va aller jeter un coup d'œil tout de suite. Apparemment, ici. Eh ben non, c'est en survie. Parce que lui, il est en train de faire le jeu en survie. C'est pour ça. Donc bon, du coup. On va sortir de cette merde là. Hop. Hop là. Allez. Ouverture. Voilà. Donc là, il y a une caravane. Là-bas, il y a une porte électrique. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc a priori il faut deux clés ou deux trucs pour l'ouvrir, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est mais il faut deux quelque chose. J'ai récupéré quoi? Supplément. Ah oui, avec les suppléments et un fluide chimique on peut faire ou des médocs ou on peut faire des grenades cheloues. Alors des cages à oiseaux. 3, 5... 9, une pièce ici. Donc ça c'est le 44 Magnum. Ok, d'accord. Donc. Open the door. Stéroïdes. Donc. Ça, rappelez-vous, les stéroïdes, c'est le deuxième qu'on trouve du jeu, c'est pour augmenter sa vie maximum. Je me dis que ça peut être utile. Là, j'ai 4 pièces, donc ça, je sais pas du tout ce que c'est. Stabilisateur, augmente la vitesse de recharge de façon permanente. Et là, il y a le magnum. Donc moi, je propose qu'on prenne déjà... Je sais pas, en fait. De toute façon, je pense que... On va essayer de toutes les trouver, les pièces, donc bon. Voilà, je me dis que voilà. Alors, donc là, a priori, c'est la famille Baker. Il est trop tard pour eux, ouais. On voyait clairement le père Baker. Mon corps est de plus en plus bizarre. Je serai bientôt comme papa et maman. Tout est de sa faute. Est-ce que je dois m'enfuir? Non, impossible. S'il s'en rend compte, il me tuera. Cette femme qui l'accompagnait, Mia, c'est quelque chose. Et si j'avais le sérum, je pourrais me soigner. Il faut que j'en sache plus. D'accord. Donc bon, là il y a encore un poste de cassette, donc je pense qu'il doit y avoir encore une cassette à trouver. Ça c'est quoi? Peut-être à Zoé. D'accord, un soutif, une salle de sauvegarde. Là il y a un gun. Gun cassé. Donc bon, s'il est cassé, on peut pas s'en servir, on va poser ça ici. Téléphone. Allô? SOS Détresse Amitié, bonjour. Carrie, j'avais jamais vu quelqu'un arriver aussi loin. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça va m'aider à sortir d'ici? Oui, écoute-moi attentivement, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas quitter la résidence tant que je suis infectée. Et c'est pareil pour Mia. Est-ce qu'il y a un antidote? Il nous faut le sérum. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Du moins, tant qu'il n'est pas trop tard. D'accord. Où est-il? Si je le savais, je serais déjà parti d'ici.
mais je crois que ma mère l'a caché quelque part, dans la vieille maison. Donc si on le trouve, je pourrai aider Mia et on pourra sortir. Oui, et moi aussi. La vieille maison est au bord de l'eau, tu ne peux pas la rater. Ok. J'espère que tu pourras échapper à ma mère. Ta mère ? Sois prudent, ils vont être après toi. L'histoire exacte, je sais pas ce qui se passe, mais l'histoire exacte, elle est chelou, parce que pour deux... Attends... Bingo. Si vous vous souvenez bien, au tout début du jeu, on passait par ici, on la voyait à la caisse, et j'avais essayé de tirer dessus, on ne peut pas la casser. C'est par ici qu'il faut la récupérer. Mais après, donc du coup, tiens une herbe. Donc du coup, je disais, l'histoire elle est chelou, puisque la famille Baker connaît Ethan. Seul problème, c'est que bah, Ethan, logiquement, n'a rien à voir avec eux. Et ils disent que c'est leurs parents, que ce soit aussi bien celle qui nous appelle que Mia, donc je sais pas... Je sais pas. Donc là il n'y a rien. Ok. Ok. Donc bon, a priori le délire ici c'est les insectes. Donc bon. Mais la maison on la connaît. Mais oui. Le nid. Et là on va tenter un truc maintenant. Donc logiquement un fusil à pompe cassé avec un kit de réparation, on pourra en faire un fusil à pompe utilisable. Le pistolet cassé avec un kit de réparation, on pourra en faire aussi un objet utilisable. Enfin du moins c'est ce que la logique voudrait. Oh, un crochet. Alors. J'ai pas assez de place dans mon inventaire. Ça, j'en ai pas besoin de ça. Mais la clé scorpion. La clé scorpion, j'en ai pas besoin non plus. Pourquoi je l'ai pas posée? Oh putain, le boulet. Donc du coup. Je disais, si on récupère le fusil à pompe cassé, logiquement avec le kit de réparation, on peut en faire un fusil à pompe utilisable. Si le jeu est logique. Le fusil à pompe, hop. Combiné. Pouvant contenir peu de munitions, mais capable de faire de sacrés dégâts. Et donc là, du coup, j'ai un nouveau fusil à pompe. Ça, c'est cool. Donc ça veut dire qu'a priori, il devrait y avoir moyen de récupérer un autre kit de réparation pour le pistolet. Donc là, il n'y a rien. Là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai même pas été voir. Ah bah oui, il y a quelque chose, il y a encore une herbe. Là, il y a de la poudre à canon.
Donc a priori, il y a moyen de poser quelque chose là-dessus. Ça, ça ne s'ouvre pas. Déjà, je pense qu'il faut remettre la lumière et il y a un truc à poser là-dessus. Sûrement encore un jeu à faire avec les ombres. Ok, donc bon. Là, il y a quoi ? Non, je croyais que c'était du fluide chimique. Là derrière, il y a quoi ? Encore une porte qui est verrouillée. Ok. Ok. Encore de la poudre à canon. Bon, maintenant je me méfie hein, parce que vu tout ce que j'ai trouvé. Et voilà. Donc bon. On est parti. Cette fois, exploration de la vieille maison. Donc déjà, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que j'ai trouvé du combustible. Donc si j'ai trouvé du combustible, il doit sûrement y avoir quelque chose pour s'en servir. Et le combustible, ça sert à faire du feu. Donc on va aller voir ça avec un peu de chance, il y a peut-être moyen de récupérer un truc genre un lance-flamme ou un connerie dans le genre. Donc, ça les grosses mythes, on va se les faire au couteau pour éviter de gaspiller des munitions. Voilà. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Oh, très sympa. Très sympa. Ok, d'accord. Donc ça te blesse pas, ok. Beaucoup de combustible. Donc ça c'est bon à savoir, ça te blesse pas. Ok, avant d'aller là on va aller explorer de l'autre côté parce que je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça. On dirait pour fabriquer une sorte de lance-flamme. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Si vous regardez bien, il y a la poignée de vélo qu'on a vue dans la cassette avec Mia. Fusil à pompe. Sacrément résistant cette connerie hein. Il y a l'air d'en avoir encore en plus. Ouais, il y en a encore ici. Eh merde. Oh putain, comment on va se débarrasser de cette connerie là? Ah, j'entends plus de bruit. Alors. Voilà, et on va y retourner. Allez, feu patate. Voilà. Comment on se baisse comme ça? Ouais, logiquement, il n'y a plus de nids, elles sont censées disparaître, hein, ces saloperies là. Pièce antique. Ça, c'est cool. Ethan? Ah, salut Mia. Ethan! Maintenant, ça suffit, Mia. Je veux des réponses. Je sais. Je sais, tu as raison. Et j'ai toujours voulu t'en parler. Mais. Mais je ne me souviens que d'une partie. Le reste s'est envolé. Papa, c'est ça? Ça dérange si j'emprunte maman juste une minute. Arrête pas planté là! Fais quelque chose! Ethan, au secours!
Si l'empreinte maman... Pour qu'ils disent qu'il emprunte maman, il n'y a pas 50 solutions. J'entends pas ce qu'il veut dire par que j'emprunte maman. C'est un peu chelou. Ah, avec le combustible solide, je peux faire de... Ok, d'accord. Donc la statue de pierre, je pense qu'elle va m'être utile pour ouvrir... Le truc qu'on a déjà ouvert avec Mia. Fiche le camp d'ici! Salut Mylène! C'est pareil, il y a un nid. Mais j'ai pas assez de balles pour le détruire. Donc bon. Faut que je me planque. Allez, zoup. Pour venir ici ou comment ça se passe? Elle est passée où? D'accord, elle disparaît comme ça. Alors, j'étais parti pour aller chercher un peu ce qui. Un peu tout ça. Alors, voilà. Donc, la pièce qui est ici, on va nous ouvrir ça. On va prendre le stabilisateur, on va s'en servir tout de suite parce que je pense que ça peut être utile. Voilà. Après, ça pour l'instant on va le poser dans le coffre parce que j'en ai pas l'utilité. Et dans le coffre... J'ai rien qui pourrait m'être utile tout de suite. Donc bon. Voilà. Donc si je comprends bien, dans le jeu, il nous reste 9 pièces à trouver pour le magnum. Alors. Où est la vieille? Te voilà. Ah. Je sais pas du tout où elle est. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on va écouter un peu. Salut, mamie. Il n'y a rien pour toi ici, Ethan. Le plan de la maison, ça peut m'être utile. Ok. Donc du coup, retour avec l'énigme de l'araignée qu'on avait déjà fait dans la cassette.
Voilà, ça va comme ça va comme ça, hop. Hop. Les deux grandes pattes vont de ce côté. Et voilà. Donc ça c'est bon. Ça pourra m'être utile pour me planquer, je pense. Donc là, il y a un brûleur. C'était le truc qui disait qu'il ressemblait à un guidon de vélo à la base. Là, il y a un sac, ça c'est cool. Là, il y a un Mr. Everywhere. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? A priori, il n'y a rien d'autre. Moi, ce que je propose, c'est qu'on arrête le truc ici. Donc, du coup, on a un plus grand inventaire. On a visité la moitié de la maison. On a un nouveau fusil à pompe et on a une première partie du lance-flammes. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un premier épisode dans la vieille maison. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, abonnement, like, etc., etc. C'était Demons. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la suite du Let's Play et je vous dis à plus.